Le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa, Matete et la partie civile, la société Lux Africa, poursuivent Aziz Ilé, un sujet pakistanais, pour escroquerie et faux en écriture. Les faits remontent au 31 janvier 2022. Selon l'organe poursuivant, le prévenu se serait approprié 958 sacs d'haricots, équivalent à 162 000 dollars américains, appartenant à la partie civile, la société Lux Africa, en usant d'une fausse qualité. Le prévenu aurait déclaré être agent commercial de la société Lux Africa et aurait promis de verser la somme de 162 000 dollars américains dans le compte de la partie civile Lux Africa. Le prévenu aurait également établi un faux bon de réception des articles volés. Le tribunal commence par l'identification du prévenu Aziz Il. Les avocats de la partie prévenue, Aziz Ilé, sollicitent une liberté provisoire en faveur de leur client en vue de lui permettre de poursuivre des soins de santé. Il y a plus d'un mois que le client est devant vous et aux arrêts. Mais ça fait déjà plus de 3 semaines que sa femme ne fait que de va-et-vient ici compte tenu de son état de santé. Oui, il est poursuivi par votre tribunal. Oui, il est aux arrêts depuis plus d'un mois. Mais il se pose un problème de santé par rapport à sa situation. À le voir, il paraît être en bonne santé. Mais en lui, il est malade, monsieur le président. C'est comme ça que nous avons suggéré de votre tribunal, sans pour autant en vouloir enfreindre à la bonne administration de la justice. Nous avons sollicité de votre tribunal le sens profond de l'humain que vous puissiez lui accorder une liberté provisoire, tout en continuant l'instruction alors qu'il poursuit des soins appropriés, monsieur le président, parce que s'il mourait aujourd'hui, même l'instruction en question. Monsieur le président, votre année, nous estimons d'abord qu'il n'y a pas eu de faire droit. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de ne pas faire droit à la requête de la partie prévenue au motif que l'adresse du prévenu n'est pas connue. L'organe de la loi soutient qu'il n'y a aucun document qui atteste de l'état de santé du prévenu. Il n'a pas d'adresse connue du président.
Le tribunal constate que le prévenu n'a pas démontré par un document médical son état de santé, qui nécessite une liberté provisoire. Le prévenu n'a pas non plus été en mesure de donner l'adresse de son domicile. Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une liberté provisoire. La date de ce jour, n'a pas démontré par un document médical, même du centre pénitentiaire ici. Il était victime de l'attention comme le défense des avocats conseils. Et aussi, à la question qui lui a été posée, celle de donner son adresse, le prévenu n'a pas été à mesure de vous donner son adresse. Comme raison, il s'est défendu en disant que lui, en tant que détention, sa femme aille à déménager. C'est ainsi qu'il ne retient pas l'adresse, l'actuelle adresse dans sa tête. C'est ainsi que le tribunal estime. Et suite à cet ombrage, et suite aussi à la gravité de fait pour lesquels il est poursuivi, il n'y a pas lieu de lui accorder cette liberté provisoire. Ainsi, jugé et prononcé par le tribunal de paix de Kinshasa-Matete, c'est-à-dire en chambre du conseil. Le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Donc le tribunal renvoie la présente cause au sujet. Comme vous dites, de la présente prémisse, donc, permettre aux avocats conseils de prévenir, de pouvoir s'imprégner du dossier et aussi la poursuite de l'instruction. Et éventuellement pourquoi. La présente remise est contradictoire à l'égard des participants.